Nous voici sur le triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise, à la limite de la Seine-Saint-Denis. Nous pouvons voir autour de nous de vastes étendues de terres agricoles menacées malheureusement actuellement de disparition au profit d'un énorme centre commercial, Europa City. Allons en savoir plus aux côtés du collectif Pour le Triangle de Gonesse qui œuvre chaque jour, que ce soit dans les environs ou en ville, pour qu'un autre projet soit possible. Bonjour! Vous connaissez le projet Europa City, c'est une fabuleuse idée du groupe Auchan qui a décidé de construire un immense centre commercial de 80 hectares. Alors que le schéma régional d'Île-de-France a bien identifié qu'un enjeu de la région Île-de-France est d'améliorer son autonomie alimentaire. Et donc on nous promet un grand temple de la consommation avec 31 millions de visiteurs par an, une piste de ski, des vagues de surf. À côté de deux grands centres commerciaux que sont Au Paris Nord sur la commune d'Aulnay et Aéroville sur la plateforme de Roissy. Une zone saturée en centres commerciaux. Sans parler de destruction d'emplois. On ne prend jamais en compte la globalité d'un espace. On essaye de regarder qu'un endroit précis. On vient de dire, ah oui, mais là, si on développe ce projet, on va créer de l'emploi. Mais on nous prend pour des cons, quoi. La zone commerciale qui a 5 km ou 10 km, elle va bien paumer des clients. À l'heure où les consommateurs, les citoyens veulent de plus en plus de relocalisation des activités, on n'arrive plus à aller chercher des produits à côté, il faut faire des centaines de kilomètres parce qu'il n'y a plus de maraîchage, il n'y a plus d'élevage, il y a de moins en moins d'agriculture autour de Paris. On aurait pu créer plein d'emplois autour de ça et surtout sauvegarder les emplois agricoles qui sont déjà sur cette zone-là. Il y a des possibilités en Île-de-France de faire évoluer l'agriculture. On aimerait voir de l'agriculture proximité, de l'agriculture bio, de l'agriculture qui serve à alimenter les cantines scolaires ou les cantines des entreprises, de l'agriculture qui serve au territoire. Donc ce que va dire l'Europe, j'espère qu'elle va le dire pour Europa City, comme elle l'a dit pour Notre-Dame-des-Landes, comme elle l'a dit pour Sivens ou ailleurs, elle va dire votre projet en l'état ne respecte pas les directives européennes, il doit être arrêté. Et quand l'Europe arrête un projet, ça fait mal aux promoteurs. Alors Marion, vous êtes contre Europa City, vous êtes contre ce projet de bétonnage, mais vous n'êtes pas contre tout quand même. Ah non, on est pour un avenir meilleur, on est pour une économie de proximité, une économie là où vivent les habitants, on est pour l'humain quoi, somme toute. Les gens qui regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors bah, c'est très simple, jusqu'au 30 juin il y a un débat public, n'hésitez pas sur europacity.debatpublic.fr à participer en ligne, à donner votre avis sur ce projet, sur les projets alternatifs que vous pourriez imaginer, et puis si vous voulez soutenir le collectif, parce que la lutte va être longue, c'est un peu le combat de David contre Goliath. Vous allez sur le site non@europacity.com, vous pouvez faire un don, être bénévole, il y a tout un tas de choses à faire dans une très bonne ambiance et avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Merci Marion, merci à tous tes camarades du collectif et merci à vous qui allez faire quelque chose aussi derrière votre écran, j'en suis sûre. Salut.